Bonjour à tous, bonjour messieurs, bonjour Benjamin. Bonjour, mais bonjour à tous. Bonjour Guillaume, comment tu vas? Ça va super. On s'est rarement vu, je crois qu'on s'est croisé à la fête de la sortie de son livre. Effectivement, ah, je vous avais été on s'est croisé, enchanté. J'allais dire qu'on s'est vu au bureau, mais non, pas au bureau. Non. Ah bah non, oh là là, oh là là. Oh non, messieurs, nous sommes en demi-finale des Olympiades. C'est la demi, hein. Quelle Olympiade on a vécu. Incroyable. Il y a des belles choses, il y a encore 3 concurrents qui vont s'affronter sur un jeu de chant. Let's Sing, édition 2020. Tu fais tout mime, ça va être très long je pense, tu mimes tout. C'est même pas la langue des signes, c'est la langue des mimes. On est 3 à la parler en France, c'est que des mecs qui ont des marinières avec des bérets, enfin bon, c'est dommage. Ça marche bien ça pour moi. Bah je te propose. Bravo, c'est un bon début de vidéo en tout cas. On peut s'arrêter là, moi ça me va. C'est pas super. Franchement, on va quand même chanter, il y a des gros compétiteurs, des gros candidats. Alors, la dernière fois qu'on avait fait un Let's Sing sur l'Olympiade de la première saison, on était encore beaucoup, là ils sont beaucoup moins nombreux. Donc ce qui va se passer, ils sont 3. Ils vont arriver bientôt, on va les recevoir et on va déterminer qui d'entre nous sera le coach de qui. Ils vont faire un premier morceau sans nos conseils. Celui qui aura la meilleure note sur Let's Sing sera qualifié pour la finale. Ouais. Et les deux autres seront coachés par leur coach respectif pendant une dizaine de minutes pour ensuite refaire une deuxième chanson et avoir une deuxième chance de se qualifier en finale. Donc tu penses que tu vas corriger des choses? Je pense que le morceau peut être moins bien chanté. C'est ça, d'accord. On accueille tout de suite nos 3 candidats. Il s'agit de Frédéric, Ninoul et Anthony. Oh là 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 là. Bonjour. Il y a de la tension, il y a de la compétition. Oh là là, la rockstar. Oh là là. Vous avez vu, on a tous un style très full black là. Ouais, oui. Exactement. Un peu plus rock. On est un peu sur Léane Bruce Springsteen. Ouais. On est d'accord. Mais tu sais, la chanteuse qui vient au premier casting de Nouvelle Star avec, pour s'identifier un peu visuellement. Bien sûr, elle a déjà son personnage. Ouais, c'est vrai. La rockeuse. Je suis la rockeuse de diamant. Qui le veut en coach vocal? Je le veux. Moi, je veux bien Ben, si c'est possible. Merci. Pas moi. Parce qu'en fait, on n'est pas coaché sur la première partie. Alors, sur la première partie, vous allez être encouragé potentiellement par votre coach. Allez. Même ça, c'est faux. Même ça, c'est faux. Mais ensuite, vous allez être coaché si vous n'êtes pas passé en finale. Ouais. Guillaume, je te laisse choisir un petit peu. Allez. Au hasard. Je vais coacher mon Fredox. Allez. Ah, je vais mon Fredox. Allez. Il y a la compète ici. Hein. Idéalement, je me fais pas coacher si je passe au premier tour. Okay, ouais. Et c'est Anthony qui va avec moi. Qu'en est-il? Ça va chanter fort en tout cas. J'aurai Manins, Maninoul, messieurs dames. Allez mon frère, on va la chercher cette finale. Ninoul, t'avais gagné le cache-cache en première. Tu as donc le choix de la première chanson, sachant qu'une fois que la chanson est prise, elle ne pourra plus être prise dans la vidéo. Aïe. Ah ça c'est dur hein. T'énerve pas Manto. Ils vont prendre Maria Carré. Allez Ninoul, on a l'avantage du terrain. Waouh. Ouais, ok. Messieurs, je vous demande de sortir de la pièce. Allez, sortez. Bah, je suis déjà moins content d'avoir un coach qui a déjà fait les Zéniths de France, Ben. C'est vrai. Ça fait plaisir. Peut-être une tournée qui va se réorganiser. Je ne dis rien, ne prenez pas d'assaut les billetteries. Guillaume qui est très très fort en karaoké. Hein. Bon, nous on va faire du solfège. Champion d'île de France, je crois. Attention, j'ai eu 0 compliment. Bah, bon courage, Ninoul. Oui. Allez. Voilà, regardez, ça fait 2 jours qu'ils sont ensemble dans le château. Et bien sûr. Ils s'entraident. Chocolat, chocolat. Ouais, bien mon coach. Chocolat. Compliqué celle-là. Pour oublier. L'amour. Ninoul, dis-toi que c'est pas avec moi que tu gagneras, donc qualifie-toi maintenant. Oh là là, premier degré. Les autres ne pourront pas prendre la même chanson, évidemment. Il y aura un pourcentage de réussite de la chanson. Comme ça, si c'est pas la même chanson, c'est par rapport au pourcentage. Bien sûr. Un peu stressé, Ninoul. Oui, un peu. Oui. Mais déstresse-toi, tu sais. On n'est pas des. Enfin, on est des experts de la chanson, mais il faut pas que tu te dises. Ah, ils sont là, il y a Guillaume, Pierre, Ben et. On a quelques disques d'or derrière nous. Ah, bah du coup, t'as vraiment du gros chewing-gum scotch sur la chaussure. C'est vrai, en fait. Je sais pas si on aurait fait ça sur la table de Freddie Mercury, Michael Jackson. Non. Et Carlos. Et Carlos. Big Bezo. Eh, big bisou. 2022 donc. Ouais. Allez, classique. On est quand même en 2021. 2022, c'est demain. Hein. Mets-moi un truc moderne là. Mets-moi du Michel Jonas. Oh, Offspring. Venez, on danse tous. Je pense qu'elle est tellement influençable sur un son de danse qu'elle peut oublier d'arrêter de chanter en fait. I'm a bad liar. Oh putain. Ça, c'est ton style, ça. Ça, c'est ton style. Ouais, bah c'est là. Ouais. Oh là là, ça va aller sur du Amy. Une musique pleine de bonne joie. Genre, elle avait une belle voix. Je la connais par cœur. C'est vrai? Là, tu vas pouvoir me coacher, vas-y. Tu vas me chercher le disque d'or là-dessus. He left no time to regret. Hyper dur. J'arrive pas à déterminer qui est qui en fait. Elle est juste. Hein. C'est la même. Ouais. Très juste, c'est beau. Amy est fausse par rapport à elle. Allez, le coffre. Get on without my guy. Putain, j'ai des frissons. On peut mettre le chauffage? My hopes are tied and I go back. Oui, attention. T'as le. Suis bien. We only said goodbye with words. I go.
Elle les a tous là, ou je rêve? Ah, elle est bien, elle est bien. Ah oui, le doré. I love you, man. Elle s'avance vers la télé comme on s'avance vers le public en fait. Elle est à l'aise. Elle a une tessiture. Tu l'entends? C'est ce qu'elle porte sur elle, je crois, les tessitures. Elle a une tessiture en cuir. I go back to... Ah. Elle laisse planer juste. Elle laisse planer tout ce qu'il faut. Ah, il regarde pas l'écran, c'est fort. Non. Ah, oh, elle est à côté. Aïe, aïe. C'est pas une chanson gay quand même, hein. Un peu tristoun, je trouve, hein. Tu mets ça à un ami, je sais pas. C'est... Ouais, imagine Patrick Sébastien qui la chante. And I'm going back. I go back to blind. Dès que la note descend, elle descend. Oh là 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 là. Ouais, nouveau. C'est bien. Je crois qu'on a jamais fait 331 000 sur cette chanson. Je crois que c'est le record mondial. On note juste, on a 85% oh là là pour Ninou. Bravo. Magnifique. 85% de notes juste. Quel est ton secret? J'ai chanté. D'accord. Waouh. Par contre, je pense que si on prend tous les épisodes des Olympiades, on aura une phrase. De Ninoul, ouais. En cumulé. Si on fait un montage. Dans le best-of, à la fin. Ah mais oui, on n'avait pas un COD dans un blog. Moi, j'ai un adjectif à l'épisode 3. Et bah si elle, là, elle avait mis un verbe, on est peut-être bon. Mais si elle est en finale, elle peut mettre un pronom et on y est. Hein. S'amuser. Ouais, mais c'est hors contexte, mais bon, c'est bon. Merci Ninoul. Bravo. Mais bravo, c'est très beau. On te laisse filer en coulisses. Et chauffe-toi la voix si tu ne passes pas. C'est à Anthony la faire. Oh, Anthony, Anthony. Bon les gars, je suis un petit peu enrhumé aujourd'hui. Donc je vais quand même la faire. Je vais prendre Maria Carré, mais on va voir ce qu'il y a. En tout cas, c'est un plaisir de chanter avec vous. Messieurs. Qu'est-ce qu'il va nous chanter? Rien à voir à l'écran. Ça va être sur du rock'n'roll. Au bout de mes rêves, Jean-Jacques Goldman. Ben, c'est toi mon coach. Hein. Eh ben, je sais que tu vas y arriver. Dis-toi que avant tout, c'est l'émotion qui doit compter. Si tu te fais plaisir, le jeu se fera plaisir. Oh 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 oh. Avoir des fausses notes avant le début du morceau, ouais, c'est dur là, c'est haut là. Moins 1000. Attention, manteau, c'est à toi. Et même si le temps presse, oui, si tu étais un peu court, tu les as, en soufflant dans des trompettes avec moi, ou à force de murmures, te déconcentre pas, manteau, j'irai au bout de mes rêves. Ah, c'est dur, hein. Tout au bout de mes rêves. Ça chante bien. Sur un pont. C'est pour le montage. Et même si je suis gay, changer de terre ou de trace. Ah, les dieux mauvais les coups. Oui, les arts. Nous ferons gonfler la tête. Merci Ben. Un ballerina stuga. Oui, allez, 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 avance. J'irai au bout de mes rêves. Et j'ai pas bu, hein. Tout au bout de mes rêves. Eh, hey, il a qu'à finir sa nuit. En ces moments où l'on teste. Et là, il met de l'émotion, là. Parce qu'il n'y a plus que le drum, là. Je garderai la blessure. Bravo, manteau. Goldman habillé comme moi, ça me fait que ça. Mais c'est vrai. Goldman en total Pierre Cross. Tu te déconcentres pas sur la fin, manteau. Toutes les journées sont pour toi. J'irai au bout de mes rêves, où la raison s'achève. Tout au bout de mes rêves. J'irai au incroyable bout de mes rêves. Incroyable. Ben ouais, il a... Bravo. On va découvrir le pourcentage. 79%. Eh bien, merci. Bravo. Merci, messieurs. Merci à vous. Pour l'instant, Anto ne passera pas en finale. Anto, il a gardé son coffre, il a gardé son potentiel, il l'a pas encore libéré. Il y en a un qui va se libérer, c'est Frédéric. Allez, mon Fred. J'y crois fort. Il sait qu'il y a à la clé une finale. Il sait qu'il s'est déjà fait peur sur l'expérience scientifique. Il s'est fait peur sur le cache-cache. Si là, il passe pas en finale tout de suite, il va encore se faire peur. Et là, ça risque d'être la fois de trop. Je cache pas, je pars pas favori, c'est pas à mon point. Non, mais bon, t'es généreux. J'ai pas beaucoup de défauts. Ouais. Mais je sais pas bien chanter, ouais, malheureusement. Et je vais faire le max pour aller chercher le max de points. Au dernier Let's Sing, vous aviez l'assurance, Lucas Studio, de passer. Il y avait le côté quoi qu'il arrive, ça passe. C'était un match amical. Non, là, j'ai des chanteurs. Là, j'ai du Ninoul, j'ai du Anto. Des chanteurs, bon. Non, mais voilà, allez. Non, allez, on s'amuse. La dernière fois, on était tous spoilés de la fin de la vidéo. On savait tous que Lucas allait y passer. Allez, mon Fred, allez. Je stresse comme un oral de français où je... Mais non, mon Fredo, tu vas pas stresser. Non, mais c'est pas ça, mais c'est que... Te connaissant, je sais que t'as déjà choisi. J'ai choisi. C'est quoi? En gros, j'ai une stratégie. Je sens que j'aurai peut-être un second tour sur une chanson. Et du coup, je vais m'entraîner sur une chanson avec Guillaume sur le tour d'après. Ah, ok, c'est stratégique. Bon, là, je vais me chauffer la voix. De toute façon, Fred, c'est le côté stratège qui le sauve souvent. Messieurs, dames, Dua Lipa, je l'aime bien. J'aime bien ce son. Je dis pas que je vais bien chanter. Non, parce que si Katy Perry regarde la vidéo, elle va peut-être être jalouse. Ouais. Mais y a pas Fireworks dans Let's Sing. Non mais fais quand même un petit coucou à Katy Perry parce que si elle regarde, ouais, je pense qu'elle va. Salut Katy, on se voit à Las Vegas le 31 décembre, je viendrai à ton concert pour fêter le nouvel an avec toi. Allez, il faut que tu réussisses, c'est un Dua Lipa. Hein. Allez, c'est une bonne chanson en plus ça. Ouais. Il a carrément mis le pied de micro où je rêve. If you don't wanna see me. Ça démarre pas maintenant. Tu
C'est tellement bien. If you won't believe that, and if you can't stop me. Allez, 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 encore, encore, encore. Laisse pas, on y va. Don't show up. Don't come out. Don't start caring about me now. Oh, oh, oh. Ah, t'as fait une crise d'AVC là. J'y vais. C'est pas toi le coach, hein. Hop, hop. Il recommence, hein. Out. Don't show up. Hop. Il aboie. Ouais, ouais. Oh. On va découvrir le pourcentage, 64%. Je préfère vous le dire, je ne suis pas chanteur professionnel. Je fais ça juste pour le plaisir. Ah bah d'accord, mais faut le dire avant. Je préfère le signaler parce qu'après, ouais, Fred et tout, il part avec un avantage comme Raven, le portugais qui signe, etc. Tu vois. Moi, ça me rassure. J'ai une crainte, c'est que la vidéo soit démonétisée à cause des chansons, mais là, il ne retrouvera pas de quelle chanson il s'agit. On va retrouver une chanson d'un autre truc. Je suis désolé, je chante hyper mal, mais c'est pas grave, j'essaie de donner. Non, t'as tout donné. Facile, alors. Mais par contre, ce qui me rassure, c'est que t'as laissé entendre que la chanson d'après, tu serais meilleur. Non, mais on va bosser comme ça. En stratégie, j'ai choisi un truc avec Guillaume qu'on va bosser, que je pense qu'il va pouvoir m'aider. Bon, bah, dis-nous en finale et je me retrouve en finale. Ninoul, viens, viens, Ninoul. Ninoul, en finale. La finale. Merci. Elle l'a fait. L'avantage, c'est que j'ai pas besoin de coacher. C'est peut-être une très bonne chose pour le monde de la musique. Anto, il va falloir que tu choisisses ta chanson. Pour avoir un coach sur comment mettre un bonnet. Tu peux le coacher aussi, ouais, sur ça, ouais. Ah, il est fou, ton bonnet. C'est un unique, là. C'est un truc pour les moines. C'est un unique, là. Unique, là. Donc, séance de coaching. Entre 10 et 15 minutes. Ouais. Pas plus. On revient ici pour la finale. Moi, j'ai choisi. Ah, t'as ta chanson? Ouais, j'ai ma chanson. C'est notre chanson d'Air Guillaume. Parce qu'il a aussi, du coup. Ouais, non, bah, celle qu'on avait faite au Zénith. On fait notre cover. Notre propre cover. On applaudit Ninoul, elle va en finale. Est-ce que je peux le dire que c'est mérité ou c'est trop? Sur l'ensemble des prestations. Non, c'est mérité, c'est ouais, mérité. Moi, je pense que c'est mérité. Pour retourner dormir. Allez, à toute Ninoul. On arrive à la finale pour la finale. Et on sait qu'ils s'aiment bien, les deux. Il y a un match dans de l'amitié. J'ai même vu s'embrasser, moi. Oh, ça va. T'es bourré une fois, ça va. Il va falloir choisir une chanson. Et Romeo et Elvis plus Angèle. Et le son, c'est Tout oublié. Il l'a dit. J'en ai fait sauter le gobelet. À la base, avec Guillaume, je voulais faire De Palma sur la route. Ah oui, sympa. Et j'aurais pensé que Guillaume allait me coacher, mais finalement, elle est pas, la chose n'est pas dispo. J'ai une finale à aller chercher, je vais faire un Disney, je vais faire Le Roi Lion. Ouais, je la connais, je la connais. Vous avez vos petites difficultés avec un dialogue et une partie un peu rappée. Pour la partie chant, c'est plutôt ça va. Bah, c'est maintenant que c'est H2, bonhomme. Comment tu te sens? Pas trop stressé, mais le son est compliqué. Hein. Difficulté 4. Bien sûr. Fred, il a choisi Le Roi Lion. Non, mais après, il a le droit. Il a le droit, c'est une stratégie, t'aurais pu le choisir aussi. C'est vrai. Est-ce qu'on se l'écouterait pas juste le début? Il faut attaquer à la gorge. On voit feeling. Juste après un phrase, je comprends pas. N'existe pas sans son contraire. Et va sur le X. N'existe pas. N'existe pas. N'existe pas sans son contraire. N'existe pas. Là, tu l'as. Ouais. On passe à autre chose. Rentre dans le tempo. Tu l'as ou pas le tempo? Qu'il lui somme facile. Ouais, le tempo, ça va. C'est bien parce que t'auras pas besoin de coffre sur celle-là. Je sais que toi, t'es un murmureur. Vas-y, chante. Chante, manteau. Jour, t'es plus de bonheur. Et mais c'est un bonheur. Bon. Point de diction également. On répète. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seul. Mais là, je m'en souviendrai pas. Blessé, oublie que t'as perdu tout ce que t'avais. C'est pas mal ça. Si ça ferait juste un vœu, si tu le veux, tu l'aurais. C'est bien. Et on reprend. Oh, voilà, voilà. Il faudrait tout. Être roi sans jamais dire où je vais. Ce loup a une tête de mule. Je veux faire ce qu'il me plaît. Il y a un truc déjà, tu regardes bien l'écran. Ouais. Ouais, je pense que ça aide vachement. De lire avant, ouais. Il y a la barre. Ouais. Et en fait, ça fait des trucs comme ça. Et en fait, ça permet de t'ajuster ta voix. Si tu vois que la barre, elle va faire ça, bah tu sais déjà que bah faut que ta voix elle baisse, elle aille dans les graves. Si ça fait ça, ça veut dire que tu vas avoir une grosse montée des nues. Et c'est con, mais mentalement ça prépare ta voix à ça, donc ça c'est pas mal. Le roi n'a que faire des conseils d'une vieille corneille. D'une vieille corneille, si tu confonds la monarchie avec la tyrannie. En fait, ce qui est dur, c'est les petits enchaînements de phrases et de chansons. Je pense que le jeu te juge pas trop sur les phrases. Ok, ouais. Je pense que c'est un truc quand même assez parlé, donc assez ouais, monotone. Je pense que le plus dur, c'est bien assurer la partie bah, chant. Je fais le minimum. Exactement. Et être bien en rythme. Faut que le début se passe bien, après je serai en confiance. Ouais, et puis après, parce que en fait, c'est une question de confiance. En fait, je la connais là. Bah, bien sûr, bien sûr. Je vais chercher ma finale, tu vois. Tu vas aller la chercher. Et ça serait beau d'aller chercher le final sur le chant. Ok, allez. On va chercher, s'il te plaît. Allez, ça va le faire. Oui. Ça va le faire en rien. Messieurs, comment s'est passé le coaching? Plutôt bien, j'ai été dire parfait, j'ai donné des bons conseils. Je me suis trouvé plutôt drôle. Pour vraiment être concentré sur Anthony. Non, mais j'espère qu'il va bien chanter. Guillaume? Moi, très concentré, on a travaillé le rythme, la mélodie, qui est hyper important. Et on a surtout aussi travaillé sur l'aspect mental. On a aussi bossé plus globalement, on a fait 2-3 mails. D'accord, ok, vous avez fait une journée de travail. Mais c'était quoi le but? Moi, j'ai fait une journée de travail aussi. J'ai raconté 3 conneries, je me suis barré. T'étais sur un fauteuil, t'étais sur ton téléphone. Est-ce que vous avez travaillé le code promo Rhino Shield? Mince! Oh, et là, je vous surprends.
C'est fort. Et là, je vous surprends parce que je vous rappelle que toutes ces Olympiades sont en collaboration avec RhinoShield. Il y a un code promo à chaque épisode et on ira jusqu'au bout avec ce code promo. C'est Olympiade avec un S, disponible 48 heures à partir de la mise en ligne de cette vidéo. Je vous rappelle que RhinoShield, ce sont des coques de téléphone portable, c'est aussi des coques d'AirPod, d'Apple Watch. Ils font aussi des câbles, des protections d'écran. On a des nouvelles collections chez RhinoShield. On a Batman, on a The Mandalorian. Ah, Star Wars, très bien. On a des nouveaux designs Friends actuellement et on a bien sûr des collections classiques maintenant chez eux, du Marvel, du Mickey, du Harry Potter. N'hésitez pas à en profiter. Allez checker ça. Lien en description. 10% avec le code Olympiade avec un S. On arrive à la finale. Allez. De cette demi-finale. Pour arriver en finale de la finale de cette Olympiade, l'honneur est à Anthony Lastella. Allez Anto, t'oublies pas ce qu'on a dit. Hein. Bah allez Angèle, Roméo, moi c'est des artistes que j'adore, donc on va voir ce que ça donne. T'oublies pas hein, le drop, le bridge et l'avancée en attaque. Mais foutu quoi pendant un quart d'heure hein. Moi ça m'a pas ruiné. C'est un loupé. N'existe pas sans son contraire. Qui lui semble facile à trouver. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Tout, il oui, faudrait il tout oublier. Il les a eus. Pour y croire, il faudrait tout oublier. Et ce bonheur, la casa gandhi papel. L'ennui est inconditionnel. Je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Il les a eus tous. Essaie d'oublier que tu es seul. Vieux souvenir comme la DSL. Il faudrait tout oublier. Or cette ambiance, on joue, nananinaninanana. Ouais, il les a toutes. Hein. Je pensais qu'il allait un peu plus donner. Moi. Ouais, mais bon, là, il essaye de faire les choses bien. Mais quel coaching incroyable. J'ai envie de m'embrasser. Oh là là. Oh, je suis un dieu du coaching. T'as dit bridge. Oh drop, y'a pas eu drop, y'a pas de bridge. C'est simple, sois juste heureux. Si tu le veux, je te sais. Sans faute. Ouais, Manto. Ouais, Manto. Mais oui. Oh là là. Hop là, bam, c'est Angèle. Allez. Hey, dis-le que j'ai été bon. C'est quoi la caméra? Merci, Ben. Ah, pas de soucis. On l'a backup, ouais. Merci. Sur les bounce. Le but, c'est d'avoir quand même un coaching hyper intéressant, de toujours donner des bons conseils. C'est pas facile parce qu'on a des élèves qui sont différents les uns des autres et toujours rester focus. Merci à tous. Ça me fait plaisir. Merci, Ben. Ouais. Ciao. Et merde 62%. Oh là là. 62%, c'est pas terrible. Par rapport à d'autres chansons qui prend plus de points, ouais. Je pense que c'est le choix de la chanson qui fait qu'elle est censée être un peu moins bien payée, si je peux me permettre l'expression. Ce qui réussit, c'est grâce à toi. Ce qui rate, c'est à cause de la chanson. Je suis un trop bon coach. Ouais. Merci Ben. 62%, on espère toi en finale de tout mon cœur. Passons aux choses sérieuses maintenant. Fred a été le moins bon du premier tour. Mais les premiers seront les derniers, comme disait la Bible. Mais il a eu une meilleure note que ça. Tout est à faire. 62%, Frédéric, c'est à ton tour. Allez mon Fredo. Allez mon Fredo, come on. Ah, il prend le gazon sur le terrain. J'ai eu un super coach, premier degré, ma deuxième. Anthony aussi, hein. Ça veut rien dire. Hein. Ninoul, moi j'avais bien coaché aussi. Hein. Courage. Ouais. Pour une troisième finale. Mais après, on n'est pas responsable des élèves qu'on a. À un moment quand même. Je crois que c'est 14% de perte quand même. Hein. Ça, en bilan financier, c'est une catastrophe économique. Hein. En un quart d'heure. Hein. Frédéric, bon courage. Allez Fred. C'est moi Simba, c'est moi le roi du royaume animal. Je voudrais déjà être roi. Tu les as. Il y a du jaune. Surtout ne fais pas ça. Reste ici, assieds-toi. Vous avez bossé le rythme. Je voudrais déjà être roi. Ça il a. Il a ça. Allez, on focus sur les points forts. Bon, elle est partie instrumentale quoi. Simba sera le nouveau roi soleil. Je voudrais déjà être roi. All right. Je voudrais déjà être là. Être roi. Un masque à oxygène, vite. Anto, reviens vite, on va découvrir le pourcentage. Le finaliste de cette troisième édition des Olympiades est, pour la troisième fois, Frédéric. Avec 64%. Ah, je sais qu'il est émotif sur ce genre de choses. Il est émotif sur ce genre de choses. Viens là, mon bonhomme. Coupez les caméras. Non, on va te faire du bien. C'est horrible, on chante mal, je chante mal. C'est que des Olympiades. C'était horrible. Comment t'as fait pour gagner ça? J'ai chanté mal aussi. Hein. Mais comment t'as fait pour avoir 64%? Mais moi je pensais que c'était mort. Oh, je vais en finale encore là. Oh, c'est incroyable. Tu t'es bien mal défendu quand même. Je veux dire bien joué Fred. T'as été opportuniste sur ce coup. Donc j'ai plus mal chanté évidemment. Mais je suis allé chercher les notes en fait. Oh là là, c'était horrible. Je suis désolé pour les fans de Disney, pour ceux qui aiment la chanson. Même les fans de la chanson, ouais. Quelle finale les gars. Non mais c'est bon ouais.
Ça me casse les couilles aussi. Ah, mais c'est mon sauce, c'est mon sauce. Jamais tu t'es dit que le coach avait un problème. Non, 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 le coach il m'a bien coaché. Ça c'est vrai. Voilà, c'est ça, mais voilà, j'ai chié, il y avait 1% pour 1%. Un poney, on fait pas un cheval de course. C'est de l'insulte là, quasiment. Ah, fais chier, bravo à Fred. Fred va en finale. Petit comme ça, je suis désolé. En finale pour la 3e fois. C'est incroyable. Incroyable, 3 finales. Est-ce que je suis avec Guigui en finale ou pas? Pour la finale, on s'est dit avant ce tournage là qu'on allait tirer au sort les pairs et que les coachs allaient rester pour encourager et même participer un peu. Par contre, ce que je voulais, c'est comme il y a eu beaucoup de commentaires sur notamment les escape games où j'ai beaucoup aidé les finalistes, on va pas beaucoup aider les finalistes, on va les encourager et on va les aider un petit peu. Dès l'escape game, j'ai évité d'aider les finalistes. Ouais. Je sens que j'étais assez impartial là-dessus. C'est pour ça qu'on a fait cette règle. Voilà. Mais même là, je crois que t'as, à chaque fois, tu n'aides pas vraiment les gens. Hein. C'est vrai que c'est 3 coachings, 3 défaites là pour Romain. Je vais peut-être me remettre en question, mais je crois pas. Non, Anto. Anto, merci encore. Bah, merci à vous. Ah, tu nous as régalé, Anto. C'est moi qui vous remercie, vous êtes malade. Type exceptionnel. Et je voulais te dire franchement merci parce que, franchement, j'ai adoré te coacher. Ah, je suis à 2-3 de tension. Ah, super. Ouais. Merci, coach. Eh ben, merci à vous. Merci beaucoup. Et merci. Bravo, Fred. Merci encore une fois, Rhinoshield. 10% avec le code Olympiade. Lien en description. On se retrouve dans 3 ou 4 jours pour la grande finale. Ninoul contre Fred. Avec un petit peu d'aide de nos parts. Mais on va essayer de rester assez impartiaux. Bah, non, là, on paye tout. Ah, oui, c'est vrai. Non, on va essayer vraiment de faire des sales causes. Très bien. Fin d'épisode, on se retrouve en finale. Ciao.